Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Avoir et quel bonheur d'écouter ce titre Déni du groupe Révolution qu'on applaudit encore bien fort. Alors, Prométhée, Sai Sai, Zokora et Isso sont là pour nous parler de leur participation au Massa 2024. Bonjour les gars. Bonjour Eva. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Ah ouais, c'est la première fois que vous êtes là depuis le début de la saison. C'est vrai. Et on est très heureux de vous avoir. C'est un plaisir pour nous aussi. Alors, c'est ce vendredi 19 avril au Palais de la Culture. Oui, ce vendredi, on sera sur scène. Et ça sera notre premier Massa aussi. Ça sera notre premier Massa. Donc, on est impatients. On est impatients de monter sur la scène du Massa, de faire plaisir à notre public. C'est un gros concert live d'au moins 1h30. 1h30? Oui. Donc, on rappelle que tous les spectacles du Massa sont entièrement gratuits. Voilà. Donc, ne vous inquiétez de rien. Déplacez-vous juste. Ce sera donc au Palais de la Culture. Vendredi 19 avril, on a l'heure? 19h, ben c'est parfait. Alors, c'est quoi l'actualité du groupe? Est-ce qu'on a un mot à dire au public? Oui, c'est 15 ans qu'on a fêté en fin d'année de l'année dernière. Et les 15 ans seront, on boucle les festivités de nos 15 ans avec la sortie de notre 6e album, Noce de Cristal, qui est fin prêt. Donc, d'ici le mois de mai,
fin mai, on sort l'album. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Eva. Merci. Merci, les gars. Et très bon spectacle. On se retrouve vendredi. Alors, parlons de ça, justement. On vous avait promis, jusqu'à la fin de ce Massa, de faire le déplacement chaque jour. Alors, chaque jour, un membre de l'équipe est censé se rendre à un spectacle du Massa et de vous rendre compte sur le plateau de ces midi. On aura aujourd'hui le docteur Philo qui était du côté de Yopougon. Oui. Il nous en parle dans quelques instants. On va dire bonjour à Laurent Monti. Bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous, bonjour Chaleureux Public et bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le monde et un bonjour particulier à notre chère amie Edith Kouaou qui nous suit actuellement. Bonjour Alice. Bonjour Eva, je vais super bien, je vais super bien. Là, je voulais dire que j'ai véritablement apprécié ce titre-là, Denis, ouais. Une chanson que j'ai trouvée remplie de respect, d'estime et surtout de bienveillance, parce que lorsqu'on constate qu'une personne a un problème, une personne qu'on estime beaucoup a un problème, on l'accompagne, on l'aide, on lui parle et on le fait dans tout le respect et avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Ouais. Merci beaucoup. Alors lui, il est très bienveillant. Bah, lui, là... Hier à l'espace Figaio. À l'espace Figaio, oui. À Yopougon. Alors, bonjour docteur Philo. Bonjour Dika. Eva, je salue ce public, je salue tous les téléspectateurs. Et puis, écoutez, vous appréciez cette chanson du groupe Révolution. Moi, je viens de la commune de Yopougon, Révolution vient de Yopougon, donc les grands stars, tous les grands monuments de la musique ivoirienne viennent de Yopougon. Donc, on va sur cette commune. Et hier... Yopougon, c'est la base, c'est ça. Alors, comme vous, nous l'avez alors, demandé. Hier, vous étiez à l'espace Figaio. Oui, nous sommes privés de nos petites familles. Nous sommes restés dehors pour vous faire plaisir, pour rendre compte de ce qui s'est passé à Figaio hier. Et donc, voilà, vous riez pourquoi. Mais nous c'était un fardeau, j'ai pas compris. J'aime bien implication au travail. Vous voilà, sacrifiez même des heures. Et ça se plaît à la maison, mais c'est pour le travail et nous faisons plaisir. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Voilà, d'accord, nous avons... Hier à Yopougon, aux environs de depuis 18h déjà, la place était bondée de monde. Il y avait les différents membres du conseil municipal de la commune de Yopougon, avec à sa tête le premier adjoint au maire. Et donc, les artistes tels que les garagistes se sont produits en semi-live. Ismaël Isaac, le Gangaba des Tresses, était sur la boutique 7 de l'espace Figaro de Yopougon. Il y avait Safarel Obiang, franchement, faut vassonner très très fort ce jeune. Et c'était. C'était un spectacle chaud bouillant, exclusivité. Alors, le premier jour de Yopougon a dit à la population, c'était une grosse information d'état, une exclusivité. Alors, les années qui suivent, c'est-à-dire d'ici l'année prochaine, il y aura le palais de la culture de Yopougon. Wow. Et là, les différentes scènes vont se produire là-bas. Et donc, franchement, il y avait du monde. Et même aujourd'hui, il y a des artistes en programmation. Venez à Yopougon, il y a mieux, il y a rien ailleurs. C'est Yopougon ou rien. Merci beaucoup. Bien. Alors, docteur Philo, on va rester avec vous, bien évidemment, parce qu'on court vers le fil d'actu. C'est parti, le temps que vous vous installiez donc pour votre fil d'actu. Allez-y, moi je vais juste dire merci et faire un coucou à l'Institut Polytechnique du Sud, IPSUD, de la rivière Mbadon, Carrefour, Akwaba. Alors, c'est une grande école supérieure qui forme les élites de demain dans les filières tertiaires et industrielles depuis 2019. Les responsables en sont Mesdames Touré Stewart Sylvie et Adja Diomondé Assetou. Et puis nous avons également l'École des études commerciales et économiques. Et les membres bénévoles du Corps national des bénévoles de Côte d'Ivoire qui souhaitent un joyeux anniversaire à Jean-Daniel Kofi qui ne cesse de motiver ses amis pour assister à l'émission ce midi. Merci. Merci. Et puis... merci également à Caro Boutique de retour dans nos vies. Merci beaucoup. Docteur Philo, c'est parti, le fil d'actu. Le fil d'actu de ce jour démarre par une note politique gel, congèle, décongèle de Charles Blé Goudé, des comptes bancaires du BAPE national. Le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, réagit. En effet, le leader du COGEP aurait samedi dernier remis en question les mesures qui entravent son engagement politique, notamment le gel de ses comptes bancaires. Hier, à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a rassuré qu'il existe bel et bien des recours et que Charles Blé Goudé devrait s'adresser à la justice pour dégeler ses comptes laissés, sinon longtemps restés au congélateur.
Exclusivité, quand nos propos nous rattrapent parfois, exclusivité influentique à caractère blogatiste, l'influenceur observateur Ben aurait, selon des informations de sources non concordantes, passé sa toute première nuit derrière les barreaux. On le recevait il a vu cela quelques jours dans cette émission, derrière les barreaux à la PLCC, plateforme de lutte contre la criminalité. Il est reproché à ce jeune des injures diffamatoires, atteintes à l'honneur et à l'image par le biais d'un système informatique. La plaignante serait Dame ZXP, peut-être Zianou, qu'est-ce que c'est Pauline. Bref, nous n'en savons rien du tout. Mais la question qu'on se pose, l'influenceur pourrait-il influencer les barreaux? Mais pour l'heure, le blogueur reste bloqué et observateur reste en observation. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé à Dubaï ce mardi, le paradis des influenceurs frappés par une violente tempête? Sur les réseaux sociaux, les images ont fait le tour du monde. Des modifications humaines du climat sont pointées du doigt et accusées d'avoir engendré de telles précipitations. Ce qui est sûr, de nombreux dégâts matériels y ont été constatés. Certains professionnels parlent même d'un record de pluie, soit environ 2 ans de pluie en 24 heures. Allahu Akbar, Allahu Aïdoun, on se retrouve demain pour un autre fil d'actu. Merci, Dr. Philo. Alors, aujourd'hui, il sera question des sectes comestibles. Je sais que vous vous posez énormément de questions. On va y répondre avec nos deux invités témoins. Mais avant de les faire entrer, on va accueillir notre invitée qui buzz. Elle est vétérinaire privée. On accueille sur le plateau de ce midi Dr. Ogoumon Marie-Thérèse, épouse Akimola. Bonjour docteur. Comment vous allez docteur? Ça va bien, merci. Merci d'être sur le plateau. Merci pour les précieuses informations que vous allez donner dans quelques instants. Mais pour l'heure, on va vous demander votre actualité. Je suis docteur Ogoumon Loba Marie-Thérèse, épouse Akinola. Je suis vétérinaire à la clinique vétérinaire Sainte-Marie à Grand Bassam, qui s'occupe de tout ce qui est soin des animaux de compagnie, suivi d'élevage, et puis également les chirurgies et vente de médicaments vétérinaires. D'accord. La seconde actualité, c'est que le 3-4 mai, il y aura le salon des animaux de compagnie qui aura lieu à l'hôtel Golf Club à Cocody. Accueille messieurs Dongui, Alexandre et Hassan Otet. Ils sont tous les deux. Réussir, c'est à n'y prendre garde, une simple question d'inventivité. Une idée bien conçue suffit à faire décoller les ambitions d'un aspirant entrepreneur. Voici un secteur peu exploré qui pourtant constitue un vivier économique tout à fait porteur, l'élevage d'insectes. Dongui Alexandre et Hassan Otet, deux entrepreneurs spécialisés dans le coaching des affaires, innovant avec l'élevage des vers blancs ou des larves de hanneton, un genre d'insectes que l'on déniche dans les troncs de palmiers et qui sont prisés pour la saveur de leur chair. Dans les champs, on en raffole, et même en zone urbaine où la recette a fait de plus en plus sensation. C'est évident, le marché existe et il est surtout prometteur. Nos deux invités creusent le sujet ce jeudi sur le plateau de ces midis avec Eva Amani et ses chroniqueurs. Comment amener les jeunes à s'intéresser à l'élevage? C'est le thème du débat qui s'ensuit. Alors, l'élément qui vient d'être diffusé vous a peut-être mis l'eau à la bouche ou pas. Ça dépend du point de vue de chacun. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, on va parler donc de votre activité, mais rapidement de votre rencontre, parce que vous êtes tous les deux entrepreneurs avec des carrières personnelles avant de vous rencontrer. Oui, effectivement. Alors, votre rencontre, elle se fait dans quel cadre? Alors, c'est notamment dans la formation. Voilà. Moi, je suis consultant en gestion de stress, en management de groupe et association, manager qualité. J'interviens aussi notamment dans des conférences. Et c'est dans cette optique-là qu'on s'est rencontrés et on a vu qu'on avait des choses en commun. Alors donc, à partir de là, on a commencé à animer un certain nombre de conférences sur la gestion du stress. Lui, il intervient notamment sur l'entrepreneuriat,
moi, beaucoup plus sur la gestion du stress des travailleurs et des élèves. D'accord. Alors, donc, c'est un peu comme ça qu'on a beaucoup plus intervenu en conférence et, bon, les Alors, choses sont arrivées où elles sont actuellement. Justement, formateur en gestion du stress et monsieur qui est entrepreneur, comment vous décidez de vous lancer dans l'élevage et puis un élevage assez particulier puisqu'il est question d'insectes comestibles. Alors, pour bien savoir de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, on va faire rentrer tout simplement les insectes parce que on aura ainsi une vision claire donc, du sujet du jour. C'est des chenilles, c'est ça? Des chenilles qu'on retrouve, oui, c'est des chenilles qu'on retrouve dans le dans palmier. Les palmiers. Le palmier. Voilà, lorsque... En Pays Baoulé, on les appelle anonplein. Anonplein. Alors, dans d'autres... Dans d'autres ethnies de la Côte d'Ivoire, par exemple, docteur Philo, qui est de partout, hein, il est de l'Ouest, non, du Nord, il est de partout. Ouais, non, mais Yacouba de Glongouin, on appelle ça les Balodou. Et en Malinké. Oh, c'est en Malinké, ça existe? Je ne sais pas. Ce n'est pas le même insecte comestible. Voilà. C'est comestible en Malinké qu'on appelle vrivri, ça c'est plus... Vrivri, ça c'est des volants. Non, c'est pas ça, c'est des insectes volants. Il y a vont d'accord. aussi. Alors, le temps qu'on fasse entrer les insectes en question... Alors, comment vous vient l'idée de faire cet élevage? Alors, moi, j'interviens dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est ma spécialité. Je suis coach en entrepreneuriat. Et justement, comme disait le coach Dangui, on a fusionné à un moment donné où moi, dans mes formations au niveau national, dans mes tournées... S'ils sont prêts, on les fait entrer hein, pendant voilà. qu'on discute. Je... Allez-y. Donc, dans mes formations et mes tournées au niveau entrepreneurial, je recherchais des activités, je m'étendais sur tout ce qui est sujet novateur pour les jeunes afin qu'ils puissent se lancer et faire des revenus additionnels. Et c'est là que j'ai vu que mon collaborateur Dangui avait déjà initié des activités, notamment dans cet élevage-là. Et donc, en expliquant les contours, j'ai compris tout de suite que c'était très facile à faire, c'était très porteur. Et surtout que ça n'existe pas, en fait, comme activité au niveau national. Alors, on l'a dit, il pousse. Non, il ne pousse pas. Les chenilles vivent. Ah, mm-hmm. Ça sent fort, hein? Ouais. Wow. On vient d'ouvrir. Donc, là, d'accord. L'odeur s'est dégagée. Bah, alors, l'odeur n'est on, pas va refermer. on va refermer. On va refermer. Là, on les a vus. Mm. On va refermer. Alors, ils se développent normalement dans les palmiers. Voilà. Et vous les élevez hors palmiers. Voilà. Oui. Alors, les larves elles-mêmes sortent généralement des palmiers lorsque le palmier pourrit après l'extraction du bandit. Mm-hmm. Voilà. Et c'est là qu'on découvre ces larves. Donc, du coup, ici, l'élevage se fait hors palmier. C'est-à-dire qu'on a l'environnement qui est recréé dans une bassine. Mm-hmm. Voilà. Et c'est cet environnement-là qui va maintenant favoriser l'élevage de ces larves. De ces larves-là. Et qui arrivent à. Je veux dire quoi, maturité, au bout de combien de temps? Au bout d'un mois. Alors, il faut dire que cette méthode avec les bacs, c'est notamment une méthode calquée sur les Thaïlandais, qui sont les premiers producteurs au monde, qui font 250 000 tonnes par mois. D'accord. Ouais. Voilà. Alors, donc, du coup, c'est un domaine très porteur en Thaïlande, en Asie. Alors, c'est maintenant que l'Afrique est en train de s'essayer. Donc, quelque part... C'est aussi les parrains dans ce domaine. Et même, il y a une délégation qui viendra en Côte d'Ivoire pour un lancement officiel de l'élevage des anonpleins et des hannetons en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, les anonpleins arrivent à maturation au bout d'un mois. Au bout d'un mois. Alors, on le sait, hein, dans nos villages, ce sont des mets qui sont très prisés. Merci. On les fait frire. J'en ai déjà vu, mais sans huile, parce qu'ils sont assez gras. Donc ils Oui. Effectivement. Frit? Oui, on les frit en tout cas. Je ne sais pas comment on les frit. Friser ses cheveux. J'arrive pas à conjuguer ce verbe frire là. En fait, alors, ils cuisent dans leur graisse en fait. Et on assaisonne et paraît-il, c'est très bon. Ici. Alors, ils sont destinés exclusivement à la consommation humaine? Déjà dans un premier temps, c'est pour consommer. Voilà. Mais après, on a des dérivés, notamment on peut en faire l'huile d'hanneton. De l'huile? Voilà. D'accord. De l'huile d'hanneton. On arrive. Par exemple, à produire de la crème pour la peau, d'hanneton, voilà. Et on a aussi des boîtes de conserve. On en voit souvent dans les supermarchés, sardines, thon. Ah. Nous avons une boîte de conserve, voilà.
Donc, en fait, le processus, c'est de les élever et de les mettre, en fait, dans ces bois. Donc, plusieurs produits dérivés. L'huile, par exemple, c'est de l'huile comestible ou c'est de l'huile pour la peau, pour les soins? Alors, je peux faire frire mon aloco, par exemple, dans l'huile d'anis? Oui, ça passe, c'est bon. D'accord. Et comparativement aux autres huiles qu'on a sur le marché, donc huile d'arachide, huile de palme, oui. Est-ce qu'il y a une valeur nutritive particulière, des bienfaits particuliers? Alors, à ce niveau, faut dire que c'est rempli de protéines. Voilà, d'accord. Rempli de protéines. Et on a remarqué que les pays qui utilisent beaucoup ces insectes, au niveau de la longévité, voilà, on ressent des personnes très, très âgées dans ces pays. Voilà. D'accord. Si tu as... Vous venez de le dire, c'est un mets, si je peux dire comme ça, rempli de protéines. Mais parlons de la consommation humaine. Est-ce que le public, sinon les consommateurs, sont réceptifs? Parce que là, vous êtes en train de... Moi, je suis curieuse de voir. Dire de allez-y. Manger des vers. Je sais que c'est rempli de protéines, mais est-ce que le public est réceptif? Bon, en fait... Ah, c'est trop drôle. Alors, c'est pas d'odeur, par contre. Non. Là, ça n'a absolument aucune odeur. Et il y a Dr Philo qui le disait avant l'émission qu'il voulait goûter. Non, mais... Si, il a dit. Nous, la musique. Oui, allez-y. Est-ce que dans le public, c'est pas interdit? Moi, c'est pour la pommade, là, je voulais... Est-ce que dans le public, il y a quelqu'un... Vous êtes intéressé, vous voulez goûter? Sérieusement? C'est déjà pour le cul, hein? La question que j'allais poser, justement, est-ce que c'est prêt à l'emploi? Voilà, c'est déjà pré-cuit. Voilà, c'est déjà pré-cuit. D'accord. Alors, tous ceux qui peuvent prendre ça directement peuvent prendre. Écoutez, on a des téméraires dans le studio. Ouais. Et la pommade, c'est pourquoi? C'est pour... La peau. Ah, ok. Allez, merci. Prendre un mouchoir. C'est pour hydrater la peau. Ah. Et ça sent... Attendez, bon, on va vous voir, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est... Ah, mais wow. Dis donc. Eh bien, dis donc. Allez-y. Je régale tout le monde, hein, c'est pour moi, c'est ma tournée. Il va goûter. Monsieur, avalez, s'il vous plaît. Avalez. Attendez, on va voir. Il est énorme, celui-là. Je pense que les... Oui, tenez. Les acans vont se retrouver. Ils consomment beaucoup les hannetons. Même à l'ouest. Hein. Il ne faut pas s'inverser sur moi. Même à l'ouest. Okay. Beaucoup les baoulés, les acans. Alors, on rappelle que c'est Gerson qui réalise cette émission aujourd'hui. Ouais. Donc, il va nous dire qui est-ce qu'il va prendre en gros plan en train de goûter. Donc, c'est hanneton comestible, conserve de hanneton. Alors, c'est bon? Vous nous dites, hein? Une fille, vous nous allez. Dites, c'est qui? C'est une fille, un garçon? Ils sont plusieurs à en avoir, là. Donc, vous allez faire un gros plan. Oui, bien sûr, c'est ceux qui ont déjà... voilà, la jeune dame qui l'a prise en premier. OK. OK. Attendez. Alors. C'est bon? Hein? On dirait qu'elle n'assume pas trop. C'est bon? C'est bon? Bah d'accord. Parfait, on va passer de l'autre côté. Alors, allez-y, moi je fais la distribution, posez les questions. Ça sent bon, hein, c'est ça? Franchement, moi je trouve que c'est... Qui l'huile, la pommade, c'est franchement bon. Elle sent bon? Ouais, elle sent très bon et... Ouais. En fait, c'est utilisé aussi en pharmacie. D'accord. Pour le produit contre le cancer. Ah, d'accord. Voilà, donc du coup, c'est vraiment la solution en termes de protéines, quoi. Mm-hmm. Voilà, depuis un certain moment, que ce soit au niveau de l'ONU, que ce soit au niveau international, on prône beaucoup plus les protéines. Mm-hmm. Parce que bientôt, avec l'explosion démographique, on s'attend à un monde important. Alors donc, bien évidemment, il faut pouvoir avoir des sources de protéines. Et je pense que les hannetons, c'est vraiment la solution. Et c'est assez simple à faire. Bon, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut le faire. Qu'on soit jeune, qu'on soit adulte ou vieux, on peut le faire. Ça ne demande pas un temps extraordinaire. Moi, j'ai une petite inquiétude par rapport à ce que vous avez dit, qu'il y a des spécialistes qui viendront de l'étranger, venir former. On a déjà ça ici. Pourquoi ne pas, quand même, on a des étudiants, vous-même, vous êtes là, on a des experts sur place. Vous allez faire, ils vont quitter chez eux encore. Venez. Alors, attends, Philo, on va faire une petite pause, parce qu'on va à l'antenne, là. Il y a différentes façons de cuisiner, de cuire les hannetons. Hein.
Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insectes. Alors là, par exemple, on a, plusieurs insectes. Il y a des grillons, voilà. Il y a des termitières, il y a des criquets, il y a des hannetons. Il y a vent dedans ? Non. Jaune noir, là ? Non, non. Alors, faut dire qu'il y a des insectes qui ne sont pas comestibles. Comestibles, ah, d'accord. On les connaît. Et il faut dire que là, nous sommes dans la filière des insectes comestibles. D'accord. Qu'on appelle... Là, vous avez dit qu'ils sont pré-cuits. Oui, pré-cuits. On les cuisine comment? Est-ce qu'on peut les assaisonner avec des oignons, du poivre, de l'ail? Oui. Ah ouais, je voulais. Comme le poisson, mettre un peu de piment. En fait, faire comme ça. Voilà, un peu. On le fait, voilà. Ah, mais ça fait envie en plus. Ouais. Voilà. En fait, quand c'est grillé, ça donne beaucoup envie et c'est plus facile. Moi, j'aime par exemple quand c'est bien grillé. C'est là, on ne sent pas. Quand tu manges, ça croque, ça craque et c'est doux. Et si les musulmans mangent, qui a égorgé? En fait, ça n'a pas. C'est vrai que il se développe dans le palmier, d'accord. Mais ce sont pas des consommateurs de vin. Mmh. Voilà. Ah, c'est ça. Parce En fait, ils mangent le cœur du palmier. Voilà, le cœur du palmier. Ils boivent pas le bandit. Voilà, effectivement. Voilà. Plus qu'on peut manger. C'est après... Apportez-moi ça. Oh ouais, non ouais. Parents, hein. Tout à l'heure. Voilà. Alors là, par exemple, voilà. Ce sont les parents. Les parents. Voilà, les géniteurs. Okay. Voilà, on va. C'est ce qu'on appelle Kolongoli, là. Les Kolongoli. C'est ça, effectivement. Les charançons. Ah, d'accord. Alors, voilà. C'est eux qui engendrent, donc. Voilà, ce sont eux qui sont dans les bacs. OK. Et qui vont se reproduire. Et puisque dans ce bac-là, il y a déjà la nourriture qu'il faut. Alors, ce qu'on a dedans, c'est des cœurs de palmier, c'est ça? Oui. On peut ouvrir, ils ne vont pas nous sauter au visage. Hein. Je vais prendre un ou deux. Voilà, on va essayer. Parce qu'ils sont très vivaces. Oh oui, c'est ça. Ah, okay. J'avais peur, en fait, qu'ils se... Parce que là, je les vois déjà se débattre à l'intérieur de la caisse. Non, ils ne piquent pas. Alors, voilà, par exemple. Non, ils ne piquent pas. Alors, vous allez... Quelle caméra Voilà. Donc, alors, là, par exemple, voilà, vous avez un géniteur. Là, c'est un mâle. Voilà, parce que son antenne est bien longue. Et, en fait, vous avez la femelle qui est un peu différente par rapport aux antennes. C'est pas là qu'on reconnaît que soit c'est un mâle, soit c'est une femelle. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, on l'a bien vu, là. On l'a bien vu. Alors, vous faites également de la formation, parce que vous incitez les gens à s'y mettre, hein, également à élever des hannetons. Oui. En fait, dans un premier temps, l'entreprise a commencé par la formation. Parce que, contrairement peut-être aux autres secteurs, il est important d'abord de commencer à former les gens, savoir réellement comment on fait, avant de véritablement lancer l'échelle nationale. Voilà. Alors, donc, du coup, nous faisons des formations. Et depuis un moment, on a fait des formations à Abidjan, au centre d'élevage de Benjerville. Mm-hmm. On a eu à faire aussi des formations à Daloa, à Boaké. Et le 27 même, on aura une formation à Bonoa. D'accord. Alors, donc, c'est une aubaine pour la population. C'est un moment... De venir découvrir comment on fait cet élevage-là, qui est assez simple. En un mois, on a des hannetons matures. Prêts à être consommés et à être vendus. Alors, ceux qui ont goûté dans le public, vous avez bien apprécié? Oui? Oui? Qui en avait déjà mangé avant? Vous connaissiez le goût? Et là, c'est tout aussi bon. D'accord. Depuis le village. C'est quel village déjà? Bondoukou. On salue tous les... C'est Abron, hein? Ah. Alors, on salue tous les Abrons qui nous regardent. J'aimerais savoir, pour les jeunes qui nous suivent en ce moment, j'entends que c'est vraiment intéressant, c'est simple à faire, c'est rapide, en moins d'un mois, on a des hannetons prêts à être consommés, prêts à être vendus, mais en termes de chiffres, pour un jeune qui a envie de se lancer dans ce secteur, il lui faut à peu près combien et combien est-ce qu'il peut gagner après... un mois de travail, on va dire, d'investissement, on va dire. Alors, donc, comme on disait aussi, c'est simple à faire, mais lorsque nous finissons la formation, il y a cette étape-là importante de commencer véritablement l'élevage. Et le bac que vous voyez là, c'est un bac, bon, ça a aussi un coût, parce qu'à l'intérieur, on a toute la nourriture jusqu'à la croissance.
donner du coup comme ça, le jeune à la maison, il va faire l'estimation. Voilà, oui, à 14 500, le bac, avec toute la nourriture à l'intérieur. Ben, là, vous voyez déjà la nourriture consommée. Voilà, la nourriture consommée déjà par les laves. Sinon, au départ, la nourriture n'est pas encore consommée. C'est une nourriture que les laves pourront utiliser pour pouvoir s'accroître. Maintenant, vous avez vu qu'on a mis, on a conditionné un truc noir là-dessus. Mm-hmm. C'est pour éviter que les mouches, sachant qu'il y a la nourriture à l'intérieur, pondent les œufs. D'accord. Voilà, qui pourront exploiter cette nourriture-là c'est aussi. Pour... On y revient. On aura encore plus d'informations dans un instant. C'est l'heure de la pub. Ah, OK. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. L'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur notre plateau de Chemisie, merci d'être avec nous. Alors, nous sommes en compagnie de nos deux témoins, messieurs Hassan Otet et Dongli Alexandre, qui nous parlent de leur activité, donc l'élevage de hannetons. C'est bien ça? C'est ça, oui. Et nous avons notre invité qui buzz, qui est vétérinaire, docteur Ogumon, épouse Akinola. Il peut toujours se manifester. Alors, il était question, juste avant la publicité, donc, de l'utilité de bien couvrir Oui, pour éviter en fait d'autres parasites mm-hmm. qui peuvent pondre des œufs et profiter de l'aliment des hannetons. D'accord. Voilà, donc du coup, cette couverture-là est vraiment importante et ça les met en sécurité. Voilà un peu l'aliment. Bon, en fait, l'élément est déjà passé. Sinon, effectivement, l'aliment, et c'est l'élevage où on met l'aliment qu'il faut pour, jusqu'à la fin de croissance. D'accord. C'est-à-dire, lorsqu'on a mis l'aliment, on n'a plus besoin d'ouvrir pour remettre l'aliment. Ah, d'accord. Voilà. Ça mange pendant un mois. Oui, effectivement. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre, c'est que c'est pour faire la récolte. D'accord. Alors, le dépouillement. Pour les chiffres par rapport à la question, c'est de dire que le bac fait 14 500. Okay? Et nous avons un bac comme celui qu'on vient d'envoyer qui peut produire au moins 1,5 kg quand c'est bien fait, quand c'est bien suivi. Alors, le kilo est vendu entre 10 000 et 15 000. D'accord. En Thaïlande, en France, tout ça. Donc, faites déjà le calcul. Prenons un calcul simple. Vous avez 10 bacs. Ça fait 14 500 multiplié par 10. Ça fait 145 000 comme investissement pour les 10 bacs. Mmh. OK? À la fin du mois, vous avez l'équivalent de combien? Environ 1 kilo multiplié par 10, ça nous fait 10,5 kg. Si on fait les bons quotas, sinon après, il y a des bacs qui vont produire 800 grammes. Voilà. Donc, il faut s'attendre pour ces 10 bacs à au moins entre 6 kilos, 7 kilos, si vraiment on a bien suivi. Et donc, quand vous faites le calcul maintenant, vous avez les 6 kilos par mois multipliés par les 10 000 et les 15 000. Donc, au bout du deuxième mois, c'est rattrapé. Même si ce n'est pas bien suivi, on va jusqu'au quatrième mois, mais on rattrape vite. Et le reste, c'est juste la nourriture. Voilà. Donc c'est très... Et le bac peut produire. On va y aller tout de suite. On va y aller tout de suite pour le débat. À tout de suite. Comment amener les jeunes à s'intéresser à l'élevage? Il y a également énormément d'efforts qui sont faits hein, pour intéresser les jeunes à cette activité-là. On se souvient de l'émission Parlons élevage qui était diffusée ici même sur RTI1. On avait fait une émission spéciale Parlons élevage avec notamment la présence du ministre Sidi Thiemoko Touré qui a parlé encore une fois des bienfaits hein, et puis de l'opportunité économique que représente bien sûr l'élevage. Et quand on parle d'élevage dans toute sa diversité. Hein. Donc ça peut être de la pisciculture, de... L'aviculture, voilà. Ça c'est les avis, c'est les volailles. La volaille. Les lapins, c'est... En gros, l'agro-pastoral. Non, je demande en particulier. Oui, docteur. Oui, docteur. On vous écoute, docteur. La cuniculture. Comment? Cuniculture pour le lapin. La cuniculture, oui. C'est bien ça. Ah, merci. Merci, docteur. On vous écoute, première intervention. Qu'est-ce que vous avez à dire, justement, sur l'élevage en général, en tant que... vétérinaire. C'est une activité qui est
qui est diverse, en fait. Elle est tellement vaste. On a parlé tout de suite de la viticulture, de la cuniculture, porciculture. Donc, c'est une activité qui, je dois dire, qui est génératrice de revenus. Mmh. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Laurent Monti, qu'on n'a pas beaucoup entendu, je suppose, parce qu'il est très intéressé, parce qu'il est intéressé. La question qu'on se pose, c'est celle-là. Comment amener les jeunes à s'intéresser un peu plus à l'élevage? Il faudrait d'abord situer le débat. Je parlais de quatre chiffres ou trois. Le premier, c'est que c'est 77% de la population. On parle de 77% de la population ivoirienne qui est jeune. Le deuxième chiffre, c'est que l'agriculture emploie 43,5% précisément de la population active. Troisième chiffre très important, on en a parlé lorsqu'on a reçu effectivement le ministre, les besoins en poisson, la consommation ivoirienne en poisson est couverte qu'à 15% par la production nationale. Donc ce qui veut dire que 85% du poisson que nous consommons en Côte d'Ivoire vient de l'extérieur, notamment de la Chine. Si on parle de l'élevage à proprement parler, les besoins nationaux en consommation de viande sont couverts à 44%, ce qui veut dire qu'on a quand même une grande marge. Donc il y a une niche qui est là, qui est disponible, et quand on sait que la population est jeune et qu'il y a des problèmes de chômage, de travail informel, de sous-emploi, c'est vraiment un secteur porteur. Et donc, je pense que l'État peut créer des synergies, notamment en termes de formation, comme vous faites, et de mise en relation. Donc, je pense que sincèrement, c'est un secteur porteur. Oui, ici, on a parlé d'insectes comestibles, mais ici, c'est aussi, il y a son nom, c'est l'entomoculture. 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 J'aurais dit la non-plein-culture. l'entomoculture. Voilà, et effectivement, l'entomoculture, c'est justement ça. Il faut venir pallier à toutes ces carences que nous avons. On a dit tout à l'heure que la population mondiale en 2050 va passer à plus de 11 milliards d'individus. On les nourrit comment? Et donc, je pense que comment intéresser les jeunes à tout ça, que ce soit l'aviculture, la pisciculture, l'escargot, tout ça, c'est de trouver des solutions pour... En fait, je pense Alors, Alison, d'abord. Moi, je pense que les jeunes ont un langage très simple. Montrez-leur qu'on peut faire beaucoup d'argent, c'est bon. Vous leur montrez des modèles qu'ils doivent suivre, des modèles comme Ben Aziz qui est dans la volaille, des modèles, des jeunes modèles qui font de l'argent, qui sont passionnés de ces différents secteurs d'activité que renferme l'agro-pastorale, et ils le font. Vous comprenez? Il faut que l'État mette des choses en place et puis les jeunes y suivent en fait. Parce que pour se lancer dans l'élevage même des bovins, une tête, ça coûte carrément trop cher. La nourriture, faut avoir un espace pour les entretenir, pour les garder. Ça demande du temps, de l'argent et beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous comprenez? Et ça, vous avez une solution très palliative pour venir vraiment simplifier les choses. Mais pour vraiment pousser les jeunes à le faire, il faut les encourager avec des modèles, il faut mettre des systèmes en place, et puis il faut leur montrer qu'on se fait beaucoup d'argent. Très bien. Oui, Laurent. Je rappelle quand même lorsqu'on a reçu le ministre effectivement sur le plateau, il a annoncé qu'il y avait un programme national de développement de l'élevage et de la pêche notamment, qui je pense qui a été adopté en 2022. Et l'objectif est effectivement de porter la production de viande en Côte d'Ivoire à l'horizon 2026 à entre 60 et 80%. Donc je veux dire qu'il y a des espaces qui sont là. Il faut vraiment aussi que les jeunes s'intéressent, comme disait Loussaine, montrer que c'est des secteurs où on se fait beaucoup d'argent. On se fait beaucoup d'argent. C'est vrai que les modèles qu'on a sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas forcément des modèles qui nous emmène à la terre, c'est un retour à la terre au final. Et la terre, on le dit, la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Ce qu'on a réussi à faire pour l'agriculture, on peut le faire pour l'élevage, pour ce genre de secteur. Donc, en entrepreneuriat, les tours qu'on a fait, même dans les différentes villes à l'intérieur du pays, nous ont relevé le constat que, en fait, le jeune même ne cherche pas. C'est-à-dire que l'information que vous avez, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent même pas qu'il y a des programmes comme ça. Qui... Hey! Hey! Ah! Ah! Oh. Ça va? Là, voilà, là. Voilà, ça va? Ah, ouais. Je viens de très loin. Voilà, c'est pas. Ça va ici? Oui. Alhamdoulilah. Bonjour, monsieur. Ouais. Alors, on me dit à l'oreille. Ouais. C'est qui? Batier Nombe, c'est votre nom? Bonjour, monsieur. Non, Batier Nombe. Ah, d'accord. Voilà, c'est nomade. Voilà, je viens de la Guinée, tu vois, la musique qui est là, ça me plaît bien. Nous, on fait l'élevage. Voilà. On n'a pas trop le temps. Parce que quand les gens, les gouvernants, les patrons, les Côte d'Ivoire m'appellent. Parce que j'étais à l'abattoir.
C'est nous qui venons avec les BD, Ramadan. D'accord. Voilà, on avait plus de... Vous savez que vous mangez viande des jours, là, ça manque pas. Alors, c'est nous, les pelles, qui augmentent ça. Ah. Voilà, c'est quand votre patron, le Banjo, Odeb Banjo, là, le monsieur Gros, là. Allô, Joseph Fondou. Voilà. Joseph Fondou, il s'appelle. Ah, voilà. C'est lui qui m'a appelé. Bon, quoi, il y a les discussions ici, que l'élevage que j'ai donné dans les, pour venir n'y a que donné pour donner les conseils. Ah d'accord, soyez les bienvenus. Voilà. Alors installez-vous. Hein? Installez-vous, effectivement, on parle... Ah ok. On parle élevage, on aura besoin de vos précieux d'accord. conseils. On pas, on pas, nous, on n'a pas trop buté de chaises, nous, on se couche par terre. Parfois, on se couche sur le dos de bé. Ah, mais c'est bon, on va faire avec. Ah. Et votre bâton de berger? Ouais, ça c'est pour B uniquement, mais tu as comportement de B, je peux te taper. Pardon. Ça va ici? Ah. Très bien, alors on est en train de parler d'intéresser les jeunes à l'élevage. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que professionnel? Moi, je viens de la Guinée, moi j'ai Guinée. Mm-hmm. Moi je n'ai pas Ivoirien, parce que les élevages que tu vois là, moi je... Hein, les jeunes Ivoiriens, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas élevage. Tu me regardes comme ça, je te parle de la vérité. Hein. Je t'écoute. Voilà, mon yarna, élevage, c'est pour nous. C'est pas pour les Ivoiriens. Ah, d'accord, ok. Voilà, mais gouvernement, si le gouvernement ivoirien veut que les jeunes, les étudiants, les jeunes de Côte d'Ivoire s'intéressent à tout élevage, ils peuvent nous voir, on peut les former. D'accord. On peut les former dans bêtage, dans moutonnage, avec tout ce que peut faire. Voilà. Très bien. Alors, on rappelle que l'élevage est. Voilà. Bien évidemment, une filière porteuse que tout le monde conseille, bien évidemment, aux Ivoiriens, surtout aux jeunes, hein, parce que bon, c'est vrai qu'il faut des compétences. On ne s'élève pas pour faire de l'élevage parce qu'on veut le faire. Il y a quand même des tristes exemples ici, hein, de fermes qui ont été offertes à des personnes qui n'ont pas pu les tenir en manque de formation. Il s'appelle Dougouti Nafa, là. Je ne l'ai cité personne. Ah, on ne cite pas ses contemporains. On ne cite pas ses contemporains. On se retrouve dans un instant juste après la pub. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. L'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez *0610. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Merci d'être avec nous, dernière partie de ce midi. On va faire un coucou à Radio Côte d'Ivoire qui s'installe à l'Agora d'Abobo avec sa radio décentralisée du 22 au 27 avril prochain. Alors, plusieurs grandes émissions de Radio Côte d'Ivoire, dont la grande matinale et Vérité de sport, seront diffusées en direct de votre commune. Ce sera donc à Abobo avec les journalistes et animateurs les plus dynamiques, les actualités les plus fraîches. Et les débats qui comptent, donc population d'Abobo, ne manquez surtout pas cette occasion spéciale. Radio Côte d'Ivoire, c'est la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Voilà, voilà. On est au terme de l'émission, on va prendre vos derniers mots. On va démarrer avec Laurent Monti. Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est rappeler que 85%, je dis bien 85% du poisson que nous consommons en Côte d'Ivoire est importé. Donc ça voudrait dire qu'il y a de quoi se faire. Moi, j'encourage véritablement les jeunes, au lieu de regarder des modèles, des anti-modèles sur les réseaux sociaux, il faudrait regarder des personnes qui réussissent dans les affaires, comme nos deux invités, qui réussissent dans ce domaine-là. Et lancez-vous, formez-vous, allez-y à la recherche de l'info. Allez-y. Je dirais la même chose, informez-vous, formez-vous et... Vraiment, lancez-vous, sincèrement, parce qu'il y a vraiment matière à faire de l'argent. Il y a vraiment matière à gagner beaucoup d'argent. Il faut juste être passionné et alors, avoir dernier, oui, une minute, allez-y. Ce que je voudrais dire, c'est que dès l'école, dans les écoles, il faut déjà commencer à inculquer cette notion d'élevage aux jeunes. Parce que moi, je prendrais par exemple mon exemple, moi, je suis fille d'éleveur. Donc, c'est à partir de, à force de voir les parents le faire, que ça m'a motivée à faire l'élevage et ensuite à être vétérinaire. Donc, il faut déjà inculquer ça dès l'école aux enfants. Voilà. Merci beaucoup, docteur. 10 secondes, monsieur Fernand. 10 secondes. C'est fini ? Oui.
Ah, bon, élevage là-bas, je ne peux pas parler beaucoup dedans. Moi, ce n'est pas mon télévision, c'est votre télévision. Mais, à cause de ça, vous ne me laissez pas parler beaucoup. Mais ce que je veux dire... On aurait pu s'arrêter là. Non, élevage là. Ce que vous pouvez faire dans l'élevage, vous parlez de formation, mais nous, les pelles, on parle d'initiation. D'accord. Il faut initier parce qu'il y a même les gris-gris qui rentrent dans à perdre. Il y a les médicaments qu'on a. Tout le d'accord. Monde pas. On n'aura pas le temps d'en parler. Vous pouvez venir demain. On sera très heureux de vous avoir. Non, à faire les transports là, c'est ça. Alors, merci beaucoup, messieurs Hassan Otet et Dongli, c'est ça? Dongui. Dongui. Mm-hmm. Dongui Alexandre. Oui. Dernier mot, on dit seconde chacun. Alors, on constate simplement que tout le monde veut se lancer dans l'élevage par contrainte. On est obligé de faire de l'élevage pour payer ses factures, tout et tout. Il faut qu'on réussisse à emmener les jeunes à aimer et à rentrer par passion. Très bien. Alors, je profite peut-être pour inviter toute la jeunesse à venir se former. Déjà, samedi prochain, le 27, nous serons à Beaunois pour des formations. En élevage. Et vous avez des cadeaux pour nous? Oui, en fait. Alors, c'est... le temps que vous nous l'annoncez, on va accueillir sur la scène le groupe Alors, Flash donc... Music. C'est un groupe de compas qui nous vient de Haïti. Ils sont là pour le Massa. Ils vont faire une prestation. Alors, les livres... Rapides. Oui, en fait, ce sont des livres en développement personnel sur l'entrepreneuriat. Voilà, je laisse une dizaine pour l'équipe de production. Oh, c'est voilà. Vraiment gentil. Il y a les clés, les codes, les secrets, comment réussir, comment être persévérant, être entrepreneur. Très bien, merci. Donc, beaucoup. Ça va pouvoir aider la... Alors, le groupe Flash Music, je l'ai dit, c'est un groupe de compas. Ils sont là pour le Massa. Ils vont également se produire ce vendredi 19 avril au Ménécré Légende. Alors, dernière prestation, merci d'être là. On a hâte de voir ce que vous savez faire. On dit merci encore une fois à Caro Boutique. On dit également merci à tous les téléspectateurs. On vous donne rendez-vous demain avec le groupe Aboutourouts pour une émission spéciale du vendredi. À demain. Fanatique approché, si vous êtes ça, on allait. Si vous êtes ça, pour débourrer. Flash musique, la guerre. Pour tout ça que t'es pensé, nous t'as blagué. Ça que t'es pensé, nous t'as posé pour nous dépenser. Nous dépenser, la magie. Et pas suspendre bataille. Ou pas suspendre bataille. C'est ça, à quoi ça flash la vie. Pensez tout bas, ou bien sans perdre temps. Malgré problèmes, difficultés, nous résoudons. Nous faisons des déplacements, tout fanatique en pépins. C'est ça que fait nous s'aimer pour nous guider. Flash musique la guerre. Fanatique avancé, fanatique approché. On a les, on a les, on a les. Pas fait gâteau, même si n'a pas un gros saut, n'a prêlé à l'assaut. Nous, capables toujours plier, mais nous pas j'en casser, cause nous prenons un bon Dieu. Va, papa, ça a la gueule, y'a paniqué. Ha, ha, bébé a grandi, oui, à la dimension, yo. Yeah.
mauvais moment, ça va bien faire changer l'idée. Mais moi, ça ne pis mauvais, tout fanatique mobilisé. Si mon grand monde en paquet, la musique, la vie éclairée. Ça y est, pendant la progresse. Flash music, la vie éclairée.